Et bonjour à toutes et à tous, c'est Nathendo et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Legend of Zelda Skyward Sword. J'espère que vous allez bien. Nous avions, dans le précédent épisode, terminé sur, sur l'amélioration de notre petit scarabée. Et Dorgo nous dit: allez, sois pas timide, tu veux améliorer autre chose? Est-ce que je peux améliorer autre chose? Endurant. Il me faut encore malheureusement des fleurs anciennes. Et j'en ai pas assez. Je n'ai pas... Ok. Il manque un des machins. Et là, toi... Ah, ben voilà, toi, je peux t'améliorer. On va l'améliorer. Je te préviens, les modifications sont définitives. Alors, je te l'améliore, toi, tout de suite. Vas-y, Dorco, vas-y. Ok. Et c'est parfait. Allez, sois pas timide, tu vas améliorer autre chose. Je ne crois pas que je puisse. Merci bien, n'hésite pas à remettre ça. Et bien on va pas hésiter à remettre ça. Toi, tu me dis quoi? T'as une nouvelle potion? T'as bien une nouvelle potion, je dis donc c'est de la potion d'oxygène. Quand tu vois cette potion extraordinaire, ta jauge d'oxygène baisse moins vite. On la vend à un prix très abordable, tu devras en acheter un flacon. Comme d'habitude, place-toi devant la marite et parle-moi. Je n'ai plus de flacon. Parce que j'ai de l'eau de source à l'intérieur. Alors, on va retourner voir Madame le Dragon d'eau. Paf, dans l'île. Qui se trouve là. Pam, 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 pam. Zou. Il a intérêt à bien être accroché son bouclier parce que là il se décroche et piou, perdu. Pointez l'endroit où vous souhaitez atterrir avec et confirmer. Cascade de Faroria. Les voitures ici. Oui. Absolument. Par là. Pam 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 pam. Boum 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 boum. Et hop. Oh, de la véritable eau sacrée, tu me l'as donc apporté, verse la vide dans ma bassine. Là, il a versé, vu la perspective, il a versé dans le sol. Ah, je sens que ma puissance me revient. Contemple ma véritable apparence. Je suis Firon, le dragon d'eau, à qui la déesse a confié la protection de cette forêt. Tu m'as apporté l'eau sacrée que je t'avais demandé et je t'en remercie, humain. Je comprends à présent comment tu as pu surmonter l'épreuve de la déesse et mettre la main sur mon écaille. Je vais donc te guider vers la flamme sacrée comme je te l'ai promis. Suis-moi. Pim, 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 regarde. Regarde ma puissance. Cascade, arrête de couler. Plus de cascade du tout. La flamme sacrée se trouve par ici. Elle est cachée derrière cette cascade depuis si longtemps les monstres ont dû s'y installer. Mais si tu es réellement l'élu de la déesse, elle ne devrait pas te poser de problème. Nous reverrons d'ici là, sois prudent. Au revoir. Ça sert à quoi de cacher l'entrée d'un truc si les monstres peuvent quand même rentrer dedans? On est bien d'accord que c'est assez con, dans le principe. Et nous sommes donc dans le temple de la
de la mort. Non, je crois que c'est la cité antique ou... Un truc comme ça. La cité antique, je crois. Temple antique ou... Temple ancien antique. Je sais plus. Grande caverne antique, voilà. J'avais le antique et le triptyque. Et on débloque une nouvelle, un nouvel objet ici-bas. Hop. Que nous dis-tu ? Symbole gravé sur les grandes statues de pierre dicte les règles en ce lieu. En premier vient le dos, puis le séant, le dos de la main droite, et enfin le dos de la main gauche. Ok. Alors, on va aller dans le dos. C'est en haut. Au bas. Nice. Haut, bas, gauche. Très probablement droite, hein. Voilà, haut, bas, gauche, droite. Ou... Je sais plus si c'est la droite à la fin. Au bas, gauche, droite. Au bas, droite, gauche. Voilà. Au bas, droite, gauche. Au bas, droite, gauche. Ok. On retient au bas, droite, gauche. Ça nous servira. Au passage, on a gagné 200 rubis, c'est génial. Ah, des araignées. Ah ah. Frappe les 4 pierres dans le banc d'or, la voie s'ouvrira à celui qui suivra les règles de ce lieu. Alors, haut, bas, gauche, droite. Voilà. Parfait. Donc ils ont mis le dos en haut, le séant en bas, la gauche à gauche et la droite à droite. Hein. Ils ont vraiment pas fait les bâtards. Hein. Ah, saloperie. Ah. Là, il nous montre qu'en sautant dessus, il se retourne. Tout à l'heure. Là, c'est bien game design, vous voyez. Parce que ça nous montre de manière facile. Donc pour nous, on est au courant parce qu'on dit c'est logique, mais pour des gamers peu chevronnés, c'est bien pensé. Voilà. Après, ça peut être vu comme de l'assistance pour certains. Mais je trouve que c'est pas trop mal. Vous avez obtenu une petite clé
Vous êtes en train d'ouvrir une porte verrouillée, vous ne pouvez pas utiliser, donc vous ne pouvez l'utiliser que dans cette zone. Haha. Ça dégage. La petite clé me sert probablement à rentrer. Ah ouais, à rentrer dans le temple. Boum. Waouh. C'est immense. Ceci est la porte du boss. Alors ceci est l'un des meilleurs temples du jeu, à mon goût. Donc vraiment très très ingénieux ce temple. Donc je l'aime beaucoup. Merde. Et hop, je sors des mains supplémentaires. Ce que j'aime bien, c'est qu'il a 4 bras, mais il couvre pas tous les angles. C'est un peu con de sa part. Oula, ouais. J'en ai fait. Failli péter mon bouclier. J'ai le droit à un seul coup. Raté. Oh, il a pété le casque. Ah. Ok, il s'est énervé. Ok. Allez, donne-moi le fruit. Non, ce n'est pas un saucisson. Enfin voyons. Il a obtenu le fouet. Grâce à l'aube de lumière à son extrémité, il peut s'accrocher à de nombreux endroits. N'est-ce pas parfait? Exemple d'utilisation immédiat. C'est magnifique. Zou. La première chose qu'on a envie de faire, on est bien d'accord, c'est ça. Mais je crois pas que c'est ce qu'il faut faire. Quoique, il y a une porte là. Bon là ça ne sert à rien. En moins que si Faye nous dise cherche la clé qui sommeille au fond de la terre. Bon, normalement Faye nous dit voilà blablabla. Oh non. Ok. Très bien. Est-ce que ici je peux aller quelque part? Absolument pas. Du coup, on sait où il faut aller. Puisque je ne peux aller nulle part que là. Non, mais dégagez les blobs là. Hop. Hop. On se balance. Je sais pas comment il indique au fouet de ne pas.
sais pas, tu as grippé là-bas? Non, ça veut pas bugger. Bon. C'est jamais. Le jeu aurait pu décider, tiens, je bug. Vous avez obtenu la carte du donjon. Ah ah. Et la flamme se trouve là-haut. Je ne peux rien faire ici, alors à quoi bon me faire aller là? C'est juste pour prendre la carte? Bon. Pour me montrer que sous la cascade il avait quelque chose, justement. Bam. D'une pierre deux coups. On ouvre et là haut. Bam. Au sol, elles sont beaucoup moins chiantes, celles-là. Il y avait forcément quelque chose derrière. 20 rubis. Il n'est pas tout dépensé d'un coup, petit vénard. Il n'y a vraiment rien ici. Là vous êtes Link, vous prenez son... Bon là c'est pas possible de prendre son arc. Mais on est d'accord, vous prenez son arc. Dès que possible. On est bien d'accord. Moment de repos. Pour notre jeune héros. Aïe. Tombe à la flotte. On va aussi tester notre nouveau lance-pierre. Bam. Ça c'est du lance-pierre. Avec un caillou, il arrive à en tirer 6 quoi. Mais pourquoi il s'est pas accroché ce con? Mais Link, qu'est-ce que tu nous fais là? C'est bien, il n'y a pas des jaunes. C'est les petites versions. Je pense que je dois sauter dedans. Ça donne pas spécialement envie, mais... Il a du souffle, petit. Hein. Ah. On va pouvoir tester notre scarabée rapide. C'est quand même bien plus pratique. On est d'accord. Ça valait le coup.
Merci pour la clé. Ah, il est pas content. On va se faire sniper dès l'ouverture de la porte. Ah non, Link il s'en bat les couilles, il va aller voir ça d'abord. Ah, il y a la clé du boss. Je me suis quand même fait prendre. Ok, un coup d'épée, ça suffit. On nous montre que c'est là qu'il faut aller, mais qu'on peut pas y aller pour le moment. Ok. Ah. On en vient là. S'il y avait une possibilité de passer la direct, on aurait gagné un peu de temps. Qu'est-ce que je dois faire là? Est-ce que je peux passer là directement? Non. Non, je peux passer là. Hop. Et tu vois bien qu'il y a un nénuphar, ne plonge pas. Abruti. Wouhou. Balabalabalabala. Allez Link. Le faire. Ok, merci pour les 20 rubis. On s'est fait péter la gueule. Génial. Ah. Par là-bas. Oui. Et... Ah. Il faut refaire exactement ce qu'on vient de faire. N'est-ce pas passionnant? Cette fois, il n'a pas plongé. Il apprend de ses erreurs. Bien joué, lui. Oh, ça me fout de sa gueule. Pas du tout. Hop. J'ai l'impression qu'on progresse plutôt bien. Mais on va pas pouvoir faire l'entièreté de ce temple dans cet épisode. Ça c'est certain par contre. Ah, salut toi. Tu peux pas venir? Voilà, bam le piaf. Ben je peux comme ça. Non, je peux pas passer comme ça. Ça c'est si je veux un petit coffre. Saloperie. Ça c'est le petit raccourci. Au cas où. Bam. Ah oh bah non. On ne peut pas récupérer le coffre. Écrabousé. Ça se dit écrabousé. Hein. C'est un vrai mot. Vraiment.
Tchac. Voilà, bah, tout simplement. Rentrer. Là. Pour accéder à la deuxième partie du donjon. Là, ça devrait être la salle. Merde. La petite salle ici présente. À cet étage, ce doit être la salle où il y avait le coffre. Et là, c'est la salle en bas. Mouah. Avec une magnifique tête de Wario. Voilà. J'ai pas de meilleure description. Alors eux sont super résistants. Je suis même pas sûr que ça sert de les tuer. Ce sont des bokoblins zombies. Des boko zombies. On va se prendre ce petit cœur. C'est dommage de s'en priver. J'ai pas voulu faire le double. Deux d'un coup. Ça donne très très envie. Bam. Il y a réflexe à l'épée. Ah ah. Est-ce qu'on va pouvoir faire un meilleur rubis que ça? C'est pas franchement difficile, mais on va essayer. Il est pas si mal mon rubis là. On a dû avoir 35 rubis. Frappe la gemme qui se cache au creux des yeux, la bouche se fermera et le courant s'arrêtera. Ah bon, ça c'est énigme CM2. Hein. Et on remercie très fortement notre scarabée. Rapide. Une joie véritable. Ah, je ne savais plus comment je la prenais. Ah putain. Ok. Très bien. Ah, je ne peux plus accélérer. Non. Alors, si je ne m'abuse, c'est pour ça. Hein. Non, pas du tout. C'est pourquoi j'ai besoin de ça. Ah. Là. D'accord. Très bien. J'ai probablement pas eu besoin de ça, mais c'est pas grave. Ah non, ça va. Je pensais que j'avais un peu. Je pensais qu'il coulait direct, mais. En fait, non. Ha ha ha!
Parfait. Tu t'accroches, hein? Est-ce que je dois aller là ou je dois aller là? Ah non, je dois aller là d'abord. Ça, je vais droit dans les pics. Ce qui n'est pas la solution à envisager. Et hop, de l'autre côté. Il n'y a pas de pic. C'est bien pratique. Ça dégage. Ça dégage aussi. Et là, j'ai l'impression qu'il va falloir... Je vais faire aller de l'autre côté encore, ok. Pas du tout l'impression de d'annuler un truc avec l'autre. Celui qui a mis ce grillage, quand même, c'est d'une cruauté sans nom, parce que il a fait tout un système avec des plateaux rotatifs, le truc, pour contourner ce grillage, franchement. Non mais qui fait ça, quoi? C'est scandaleux d'être sadique pareil. C'est pire que GLaDOS. Bon, ouais, si, c'est. Attendez. On va faire ça. On sera satisfait. Mais on va pouvoir s'arrêter là en fait. Ça fait 32 minutes. On s'arrête là. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode et à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde.